Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Luigi Mansion 2 HD. On continue notre aventure. On s'était rendu au B. Je sais plus où on était. B5, je crois. Où on avait. Comment ? On avait lancé la cinématique à la fin de la vidéo précédente. Et il fallait aller retrouver l'ectochien qui nous avait bouffé la clé. Qui nous permettra d'accéder à l'arbre. Donc on passe parce que du coup on avait déjà vu le dialogue de catastrophe. Et on nous avait téléporté au début de la... dans la cour là au début là. Et le professeur nous avait dit d'utiliser le révéloscope puisqu'il va falloir trouver les traces du chien. C'est comme ça qu'on va remonter sa piste. Donc ça va être un niveau où, quoi, où le gameplay ça va être que ça. C'est genre, va falloir le trouver où il passe, mais il va y avoir des feintes, je pense. Trouver l'ectochien. Donc, est-ce que c'est genre... c'est dans ce... Ça fait quoi? C'est juste ça Il sort pas du mur, là? Non, ok, d'accord. Donc déjà, il est passé par ce mur. Ah mais il est derrière, il est en train de jouer. On le voit. Alors, ma question c'est, est-ce que une fois qu'on l'a trouvé, ça va être de la coop avec lui? Parce que c'est un niveau où on va nous l'introduire pour coopérer avec lui? Ou est-ce que c'est un ennemi au début? C'est marrant qu'ils l'ont jamais fait un amiibo lui. Ils auraient pu faire, tu vois, un amiibo un peu glow in the dark, ils l'ont jamais fait. Donc il est parti à droite, c'est ça? Attends, mais on est où là? Ah oui, d'accord, je sais même pas où on était. Il est parti, attends, j'ai regardé la cinématique, je sais même pas où il est parti, c'est énorme. Est-ce qu'on le... Non, ah bah oui, non mais je suis bête. Il va pas être marqué sur la carte forcément. Donc ok, il est parti là. Il peut prendre d'autres chemins? Non. Il prend qu'un chemin, j'ai l'impression. Donc là, ça va vraiment être... juste trouver où il part, quoi. Ah, là, non. Là. Ok. Attends, du coup... Il y a des traces de pattes. C'est sympa, le... C'est tout bête, mais c'est sympa... faire un petit jeu de piste comme ça. Il est parti où? Là. Il est parti là. Ok. Attends. Du coup il est... Attends. Hein? Ah oui. De l'argent. Du coup maintenant ouais, c'est agréable d'avoir une jauge... plus grosse. Il est là non? Attends, il est où? Il est parti où? Attends. Il est là? Non mais, what the fuck? Mais on en vient de là. Je comprends pas. Attends. Et attends, ça veut dire qu'il a traversé le mur comme ça et après il est où? Ah, il y a des traces. Attends. Elles vont dans quel sens les traces? Il est parti par là? Ah non, c'est moi qui... Attends, mais la caméra elle peut pas se... Bah non, déjà il est pas parti dans le jardin. Attends. On peut refaire l'animation de la tondeuse là? Ou pas? Non, ils veulent pas? Attends. Non, ils veulent pas. Mais attends. Y a pas de trace par terre. Donc il est parti par là. Il est parti à l'étage, je pense. Comment on remonte à l'étage, je sais même plus. Il est parti là, derrière, non?
Je pense qu'il faut... Il est parti en haut. Attends. Et en fait, comme il traverse les murs, c'est un peu... Non ? C'est un bouchu, là. Je sais pas où je suis. Attends. Comment on... Ah oui. Mince, je fais péter le truc. Non mais attends, c'est pas possible, il est pas passé par là. Il est passé là. Mais on sait pas s'il descend ou s'il monte. Non mais attends. J'ai déjà perdu sa trace. J'ai fait 2 mètres, j'ai perdu sa trace. Retourner au début, parce que... Là, je pense que je me trompe. Il est là, il passe là. Il passe là. Il passe derrière ça. Attends, est-ce qu'il faut genre faire un truc? Non. Non, il est bien derrière. Attends, je suis au niveau de la carte. Il est dans cette pièce-là. Il est passé là. Il est passé dans celle-là. Et là, il passe où? Je suis où là? Je suis dans le carré. Où est-ce qu'il va après? Là? Il va là? Attends. Elle est où la trace sur le mur là? Non. Il n'y a plus de jauge. Mais où il va? Elle était où la marque? Elle est là la marque. Mais il n'y a pas de porte là. Non, il a traversé le mur comme ça. Il est là et après il est où? Mais où il est où? J'ai fait quoi? Mais what the fuck, je trouve l'entrée, je trouve pas où il passe après. Il passe là dans le mur, derrière il y a le... C'est où il y a le... Comment on appelle ça? Le générateur là. Et après il va où? Attends. Il y a pas de traces. Si, il y a des traces là. Ah ok, je me disais putain mais c'est bizarre, il... Ok donc en fait il se cache. Récupérer la proto... Il est parti par là du coup? On l'a vu partir par là. Ok. Il fait quoi? Il monte sur les murs et... Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah. Il veut nous tuer. Let's go. Donc lui, il passe par des endroits où on peut pas aller, nous. Il est allé au cimetière, non? Pourquoi il nous emmène là? Si c'est pour juste de l'argent, on s'en fout un peu. Là, il y a une plante à... Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il se cache dans les plantes? Non, il est reparti là. Donc il est ici. Ah non. Ah non, ils sont... Alors, je pense que... La trompe, c'est une mission hyper simple. Genre, suivre le chien, c'est hyper simple. Mais ils vont te mettre masse... Ils vont te mettre à mort de fantômes. Mince. Je vais perdre des PV bêtement ici en... Avec les combats, je le sens. Bon maintenant je sais qu'il peut se cacher dans des jarres ou des trucs comme ça. C'est lui qui m'appelle là? Attends. Non pour moi il est reparti, il a monté l'escalier. Ah non, attends. Non, si, les traces elles vont bien comme ça. De toute façon, la marque elle était sur le mur. Donc il est passé dans le mur. Il est passé. Quoi? Hein? Ah oui, il y a tout qui est dispawn là.
Ok. L'ectochien qui a fait disparaître tous les trucs. Au moins il est monté genre dans la pièce où il y avait les escaliers qu'on voit depuis le jardin. Pour moi il est monté là. Attends, c'était où qu'il y avait l'escalier, je sais plus. Attends, il y a des traces de lui là? Non. Comment? Attends, mais comment on retourne dans cette pièce là? Comment? Ah bah c'est là. Non, c'est pas là. C'est la Bourrador. C'est pas demain la veille que tu me tiendras les... Ah, la Bourrador, comme Labrador. C'est bon, maintenant qu'on a amélioré la jauge, ça va être peut-être plus simple. Mais... Attends, mais pourquoi je suis pas arrivée à l'aspirer, là? Il est où? Il est où? Allô? Il est où? Genre, ils ont fait un bout avec un nom de chien. Parce qu'on est en train d'en... On est dans une mission avec le chien. Ah mais c'est peut-être ça en plus. C'est peut-être ça. C'est peut-être des missions uniquement... Enfin les bouts, ils ont peut-être des noms qui sont en rapport avec la mission. Quoi? Ça marche pas? Ah si. Ah bah voilà. C'était ça que je... C'était cette pièce que je cherchais. Putain, j'ai même pas besoin de te... Ah non! Ah non, pas ça! Pitié, ah non, pas eux! Ah non, pas eux! Je sais même pas comment ça en dépatouille là. Ah non! Ah non, les pires fantômes ever quoi. Ils m'ont bouffé toute ma vie là. Il est où? Il est passé par là, je crois qu'il est là, dans le mur là, non? Attends. Un peu de PV s'il vous plaît, non? Non? Même pas? Alors... il est passé où? Attends. Mais il est passé où? Genre... Où il est? Non, il est pas là. Il est pas... Purée! Attends, y a pas de PV là qui traîne? Genre quelque part là? Oui, merci. Il va falloir bêtement par des trucs. Non, non, pour moi, il est pas passé là. Ah, mais l'autre, c'était un leurre. Je me souviens, c'était on se prenait des hits sur cette porte. Attends. Ah, mais ça trouve, on est obligé de l'activer parce qu'il est caché derrière. Non. On se prend juste un hit pour le fun. Par contre, y'a pas un... Attends. On voit pas les traces là? Si? Non? Si? On voit les traces. Attends. Non, pas du tout. J'invente des trucs. Mais attends, c'est une blague. Il est bien monté lui. Mais what? Déjà, pourquoi il y a un point d'exclamation? Il y a un truc exactement où je suis. Il se cache sous les... Il se cache là-dessous, je suis sûre. Attends. On pouvait y aller là ou pas? Non, il se cache pas. Non, mais il est caché quelque part. Ça va faire comme tout à l'heure, c'est... Tant qu'on l'a pas trouvé, ça, c'est scripté. Là, ça brille, il est derrière là. Attends. Il y a les trucs comme si on voit pas les traces là. Mais il est où? Il est... Ah, il est là, non? Non? Ah non, pas du tout. J'ai cru qu'il y avait une espèce de lumière blanche en haut. Attends. Déjà, non. Ça faisait quoi déjà ça, je sais plus. Ah oui, ça foutait de l'eau.
Déjà, je le flash n'importe comment, le truc. Ça mettait de l'eau, là. Je comprends pas. Attends. Étage, rez-de-chaussée. Mais non, il est au rez-de-chaussée. Mais il est où? Il y a bien le truc du... Comme s'il y avait... Il n'y a pas un truc à révéler, là. Là, il y a les... Ah, mais si. Attends, je vois les traces. Elles sont contre le mur, les traces. Mais la caméra, elle est daubée, là. Mais elle est les trucs, ça, c'est là. Mais on voit pas son ombre. Il s'est pas barré dehors, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là. Là, il y a des traces ici. Genre, contre le mur. Attends. Il a marché au mur, genre. Ah oui, là. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. Comment on allait là? Il est au-dessus de... Mais il est au-dessus de cette pièce. On va aller au deuxième étage. Pourquoi au rez-de-chaussée ça nous met un truc? Donc il est là. Donc il faut prendre l'escalier. Et il est en haut. Si, il est derrière là, non? C'est pas lui qui se balade là? On voit des trucs blancs là. On voit un truc blanc. Si, derrière, il est derrière. J'ai fait... Voilà. Donc il était bien là. Ok, d'accord. C'est bon, bah là il est repassé là. Il n'y a même pas besoin de... Ah, il va faire des allers-retours comme ça. Donc il va falloir le prendre par surprise. Enfin, le prendre par surprise, le... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on peut lui tirer dessus? Maintenant c'est un fantôme. Attends, déjà ça se dégage. Ah oui, attends, alors attends, stop. Je vais chercher les PV, comment on descend là? Non mais la caméra! Mais pitié, la caméra, c'est pas possible! Ah non, c'est juste un truc de shoot, on peut pas y aller. Non mais réellement par contre, attends. Si c'est vraiment ça, genre... Si vraiment faut toucher le lecto-chien avec les balles... Par contre la souris c'est une blague, je mets 1 milliard de trucs, ça la tue pas? Elle est invincible cette souris ou c'est comment? Non mais faut calculer le timing. Ou alors faut l'attendre, attends. Si c'est scripté... Il va spawn au bout d'un moment. Il va spawn, il fait que des allers-retours de toute façon. On peut pas l'avoir autrement. Si? Il va rester là, il va rester dans ce couloir tout le temps là? Non mais attends. Comment on... Déjà ce truc ça m'énerve, attends. Là c'est scripté, il y a une cinématique avec lui. Il faut essayer de le surprendre. Comment on va là-bas? On peut pas aller dans le second plan là. En fait, j'ai l'impression qu'il se cache derrière la souris. Ah non, c'était pour une gemme. Ah non, c'était une gemme qu'on voyait. Ah non mais what? Je croyais que c'était le chien moi. Mais what the fuck, je comprends rien. Ah non, c'était juste l'animation et après je l'ai perdu du... Alors attends. En fait, la gemme que j'ai prise, j'ai cru que c'était le chien. Où il va? Il est monté encore? Attends. Ok, on a eu genre le truc un peu scripté. Où est-ce qu'il est? Non, il est pas là, hein. Si, il est là. Il est là, il est là, il est là. Attends. Ah non! Oh, les pires... Comment ça, c'est... Attends, il y a un truc, genre... Les PV, c'était marqué comme si c'était le symbole de l'infini.
Ça me rassure pas du tout, ça. Bon, il est où, ce chien, là? C'est bien des traces de chien, ça. Il est là. Bon, en fait, comme c'est le même effet que quand il y a des esprits, je comprends pas trop. Et puis des fois, c'est scripté. Des fois, il se cache et tant que tu l'as pas trouvé, tu peux pas avancer. Non, mais je suis sûr que c'est ça. Là, ça va être scripté et puis il va être en mode cinématique. Il faut le choper. Il va spawn. Est-ce que t'as peur de la musique Ah, mais je suis sûr que j'ai tenté un truc random et c'était ça. Il est où? Il s'est barré où? Attends, je refais de la musique. Il est derrière, on le voit là. Il est là. Il est derrière le balcon. Il est à l'extérieur. Alors comment on allait à l'extérieur déjà? Je sais plus. Comment? Non, ça c'était une salle bonus. Il peut pas être dans la salle bonus. Donc il est sur le, il est sur l'extérieur là. Comment ça j'ai pas le droit d'y aller? Ah non. Ok, attends, je me disais, putain, c'était bugué. Il est derrière ça. Mais comment on y va? On avait pas fait ça. On pouvait pas le faire ça dans la vidéo précédente. Si. Et il est derrière le bâtiment là. Comment? Attends. Comment on y accède? Ah mais c'est peut-être ça, elle sert peut-être à ça, la vision de, du haut là. Comment? Non mais là je m'éloigne là. Attends. Ou alors faut refaire la salle. Non mais ça serait bizarre de devoir faire la salle bonus pour aller le choper. Et en même temps, attends. Est-ce qu'on peut aller genre dehors avec ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est là. Pour moi, il est là. Hein. Pour moi, c'est lui. Hein. Il est derrière en train de remuer sa queue là. Ou alors dans cette configuration de mission, ici c'est pour aller dehors. Et c'est plus la salle bonus. Je vois rien, c'est énorme. Non, c'est pas ça, c'est scripté, on peut pas y aller. Comment on va dehors sur le balcon? On peut y aller comme ça là? On peut passer derrière le décor comme ça? Je tente des trucs un peu what the fuck hein. Ah oui, c'est ça en plus! Mais c'est ça! Mais comment tu veux savoir ça? Mais c'est abusé! Et si j'ai plus de ballon, je fais comment pour revenir? Ah non. Ok. Non mais attends. Non mais attends, ils ont vraiment... Ah non, ok. On peut ressortir par là. Attends, j'étais en train de me dire, mais attends, si tu l'aspires, t'es bloqué. Ah non! Un gros... Ah non! Non, putain, c'est là que je vais crever. Mais y en a combien? C'est abusé! Faut que je me débarrasse des verres, absolument. Ah mais arrête avec ta glu, toi, ou ton huile, là, je sais pas ce que c'est. Y'en a pas un qui peut me donner des PV, là? Attends. Je vais péter le joystick. Un peu de PV, non? Même pas. Abusé. Abusé. Allez, un peu de PV, s'il vous plaît. Un peu de PV. Si à la fin on se bat contre le chien, alors là. Ok, il est passé par là. Attends, il est passé où là? Il marche contre le mur, lui. Ok. Ok. Il va où dans la salle? Je suis sûr qu'il va aller dans la salle de bain. Non, mais c'est sûr que c'est ça en plus. Non, mais c'était sûr, c'était cramé. On va sortir pas encore les monstres qui est un peu violet en mode gelé là. Les pires.
Mais c'est même pas à peine de chercher, il est là. Il est dans la salle de bain. Voilà. Mais c'est sympa cette petite quête avec lui. Et vraiment, je suis curieuse de savoir si, si ça va devenir notre ami après. C'était des PV ça, non? Non, c'était la gemme. Il y avait pas des PV dans la salle de bain? Non. Ah, il repart là. Ok. Attends, je cherche s'il y a pas un peu de PV qui traîne. Non, vraiment, les radins, genre, ils ont rien mis. Ah, si. Ok. C'est quoi, ça? Ah oui, c'était pour accéder, ok. Donc, il est parti là. Elle est où, la porte? Oh non. Putain, les pires, les pires. Ah non, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont agressifs quand ils sont gros. Quand ils sont petits, ils sont pas si agressifs que ça. Ah, il est dans la chambre. Ah non! Ah non. Il est où? Il est où? Non, non, mais l'autre, il va m'agresser, là. Hein. Attends, je te laisse pas de répit, mon gars. Il y en a plein. Hein. C'est une blague. Il y en a un autre. Non? Attends. Il vient là, il est passé là, et après il fait quoi? Il va... Attends, mais il est toujours dans cette pièce. Donc il est sous les lits. Ouais, voilà. C'est marrant l'animation, en fait, il veut jouer avec nous. Oh! Genre on peut... Ah mais on peut aspirer le chien! Mais lol! Mais attends, si c'était vraiment ça la mission, genre on pouvait le faire dès le début? C'est une blague? Ou c'est un leurre? C'est un faux? C'est pas le vrai? Mais quoi? Mais ça aurait pu durer longtemps, moi! Mais en fait, attends, mais je suis choquée. Comment ça on pouvait le choper dès le début? Et je l'ai jamais flashé, c'est une blague? Genre, c'est une mission qui peut durer 5 minutes ou 30 secondes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non mais attends, vraiment, on pouvait le choper dès le début dans la cour, la première fois où on le voyait? Mais je me suis fichée pour rien, moi. Oura, tu as enfin réussi à mettre la main? Non mais c'est pas possible, attends. Ça se trouve, il pouvait pas être flashé... Il pouvait pas être flashé au début. Je sais pas, alors si c'était ça, franchement... Du coup, je me suis pris la tête pour rien, hein, si on pouvait le flasher dès la première rencontre. Rattraper cet ectochien n'aura pas été de tout repos. Mais tu t'en es très bien sorti, mon cher Luigi. Tu sais, je pense que notre ami à quatre pattes avait juste envie de jouer. Il devrait se plaire dans la chambre forte. Dans la chambre forte? Ah, c'est fini, on le voit plus après? Je suis sûr qu'il s'y fera un tas d'amis. Bien, il est temps pour toi de rentrer. Je lance le processus. Non mais c'est dommage, je pensais que... On allait faire de la coop avec lui après. Ah non, je suis déçue. Je pensais que ça allait devenir notre coéquipier quoi. Qu'on allait faire des trucs avec lui. Enfin peut-être qu'on le retrouve plus tard dans l'aventure. Mais si c'est juste un truc de trophée, c'est dommage. Ou alors, peut-être qu'ils vont nous remettre cette mission-là, genre le chercher, mais dans d'autres... dans notre manoir. Parce que si vraiment, si genre là c'est fini avec lui, on le revoit plus jamais, c'est dommage. Parce que même en ne connaissant pas la licence, je savais qu'il avait un chien, lui dit. Parce que dans les tout ce qui est les F4F, les machins comme ça, il est toujours représenté avec lui. Enfin, souvent. Content de te revoir, Luigi. Il est temps d'envoyer cet ectochien dans la chambre forte. Mais le pauvre, on le balance dans l'inventaire. Ah donc non, ils ont pas beaucoup de PV, eux. Le bout labrador, un peu, là. Mais c'est 7000, ça va être long. En gros, ça t'oblige à... Ah non! Ok. Ah bah il s'en va. Ah oui d'accord. Je me disais aussi c'est bizarre de ne faire tout un scénario avec lui pour qu'il se casse au bout du deuxième monde. Non, un globule, comment a-t-il pu s'échapper de l'ectoblast 5000?
Il va falloir que j'augmente le niveau de sécurité de l'unité de confinement. Mais cela peut attendre. Pour le moment, montre-moi plutôt cette fameuse proto-clé. Burke est toute mordillée et pleine de bave. Je vais demander à mon assisto de la nettoyer avant de travailler dessus. On peut dire que tu l'as récupérée au bon moment, mon garçon. Il se trouve que je viens de finir mon analyse des fragments de la lune noire que nous possédons. Leur composition spectrogénétique est tout bonnement fascinante. Je vais essayer de t'expliquer les résultats en des termes que tu pourras comprendre. Ce manque de respect pour Luigi. Alors voilà, je suis allée voir les fragments de la lune noire, tout va bien jusqu'ici, parfait. Donc je suis allée les voir et je leur ai demandé où se cachaient leurs petits camarades. Ainsi j'ai pu entrer dans de nouvelles données dans l'octulographe et localiser le fragment. Il me prend un débile. Hein. Et donc ouais, c'est bien boss. Nous avons enfin la proto-clé, il ne nous reste plus qu'à grimper au sommet de l'arbre creux pour récupérer le fragment de la lune noire qui nous y attend. Luigi, le moment est venu, il est temps d'ouvrir cette porte et de voir ce qui se cache. Mince, je crois que j'ai spammé le niveau du boss. Je crois. Attends, l'octulographe a maintenant localisé le fragment de la lune noire avec 99,74% de certitude. On dirait Fade dans Skyward Sword. Tu le trouveras dans la cabane au sommet du grand arbre creux. Nous sommes sur la bonne voie. Donc c'est le boss. Tiens, tu auras besoin de la proto-clé pour te rendre là-haut. Utilise la proto-clé pour ouvrir la porte dans l'arbre creux. Monte dans la cabane. Apporte le fragment de la lune noire et reviens en un seul morceau. Ce sera du gâteau. Oh Luigi, une dernière chose. Donc tu l'ographe à révéler des signaux inquiétants dans la cabane. Des signaux puissants, très puissants même. Sois très prudent mon garçon. Oui mais donc non. A chaque fois j'ai fait deux fois la même erreur. J'ai fait la même chose que la vidéo précédente, j'ai spammé la touche et ça m'a lancé le boss. C'est pas grave, donc on regarde la cinématique, on quitte, on le fera dans la prochaine vidéo. J'avais une tête de cochon. Mais c'est quoi, c'est ça, ça nous lance direct le boss, hein? Ah non, ils nous ont dit qu'il fallait monter dans l'arbre. Donc c'est quoi? Oh non, putain, je l'ai vu sur Twitter. Je sais ce que c'est. Oh non, je l'ai vu sur Twitter, je me suis fait spoiler. Il y a un mec qui avait tweeté un truc sur... il avait mis, voilà pourquoi je déteste Luigi Mansion 2. C'est un truc sans fin et il faut pas se tromper sinon tu retombes au début. Au secours. Oh, je l'ai vu ce truc. Je me suis dit... Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh bah ça doit être le dernier environnement, ça doit être le dernier monde du jeu, ça doit être là, genre à la toute fin avec le King Boo. Non, non, c'est juste... c'est là. Ah non, au secours, ça veut dire que ça va être... Non mais ce jeu, il est dur dès le début du coup. Écoutez, non. C'est non. On quitte. On fera ça demain. Oui, salle de contrôle. Ah non, non, parce que j'ai vu les gens tweeter sur ce moment-là et tout le monde disait c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible ce niveau. C'est le pire souvenir de Luigi Mansion 2, donc non, pitié. Avec la chance que j'ai, on va passer une heure dessus. Donc non, on va pas enchaîner ça tout de suite. Non, non, j'ai trop peur. J'y retourne pas. Stop, 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 stop. Menu principal, quitter, au revoir, merci. On fera ça demain. On s'arrête ici pour cet épisode. Franchement, j'ai bien aimé le truc du chien, là. De le suivre un peu partout et... Donc je sais pas trop, je sais pas si j'aurais pu le choper genre dès le début. Parce que j'ai pas fait le flash sur lui, mais peut-être qu'on pouvait le choper dès le début. Je sais pas. En tout cas, c'était sympa, j'aime bien. Et du coup, on se retrouvera pour cet escalier de l'enfer, là, que j'ai vu sur Twitter, que tout le monde s'en plaignait. Donc j'appréhende déjà. On verra ça demain. Rendez-vous demain 9h pour la suite. Et pour les épisodes précédents, et bah c'est tout étant playlist dédiée. À demain, salut.